Bonjour Daniel Graham, voilà, je suis en plein milieu de la forêt et vous voyez, j'ai découvert une belle plante. Il y en a beaucoup derrière moi d'ailleurs, vous verrez, il y en a derrière moi, il y a toute une, il faut regarder par là aussi, pas surtout par là, par là. Ici, il y a beaucoup de bardanes. Donc c'est une plante dépurative qu'on va utiliser pour tous les problèmes de peau, eczéma, dermatite, psoriasis, acné. Donc c'est une plante dépurative mais qui a des vertus antibiotiques. Hein, vous savez que dans l'acné, tout ça, les dermatologues donnent des antibiotiques. Mais voilà, quand on peut utiliser une plante, c'est beaucoup mieux. Alors on va utiliser quelle partie? La racine. Donc la racine en automne ou au printemps, maintenant il est un peu tard. C'est très difficile de cueillir la racine, vous vous rendez compte ici, hein, dans une forêt, aller chercher la racine. Mais la racine a des vertus donc extraordinairement bonnes pour la peau. Donc voilà, pensez-y, la bardane. Et voyez, j'ai fait un petit cœur, hein, parce que quand on est enfant, on jetait les petits fruits, enfin ici de la bardane qui était ici. Hein, et voyez, c'est comme du velcro, ça attache. Voyez, quand on le met, ça attache. D'ailleurs, je vais le jeter sur la caméraman. Voilà, donc comme ça. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Voilà, j'ai fait un petit cœur avec la bardane. Voilà, très bonne journée à tout le monde. Alors oui, la bardane, j'ai oublié de dire, ça s'utilise ou en tisane, mais surtout en teinture-mère, parce que c'est la racine fraîche qui est la meilleure. Donc c'est des gouttes, hein, et on prend 30 gouttes, 2-3 fois par jour, en cure de 3 semaines. Voilà, très bonne journée à tout le monde, et je vais continuer dans la belle forêt où je suis ici pour le moment. Et à bientôt pour une nouvelle découverte vidéo. À bientôt.